Salut les amis, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il invente encore là? C'est quand même pas difficile d'appuyer sur un bouton et de se faire couler un café, surtout quand il s'agit d'une machine automatique. Mais je fais cette vidéo car je rencontre beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils reçoivent ce genre de machine en entreprise ou chez eux, sont complètement paumés. D'autant plus lorsque l'on vient d'une machine à capsule ou même d'une bonne vieille cafetière à piston avec très peu ou pas de boutons. Aujourd'hui, on ne parle pas des réglages et des choses à savoir sur les machines de Longhi, car j'ai fait plusieurs vidéos dessus que je vous invite à aller voir, mais plutôt le cas où je veux me faire couler un café et donc je fais comment? Sur cette interface, vous avez plusieurs boutons. Espresso, café, long, Doppio Plus, plus deux autres boutons qui permettent d'accéder au menu. Même si vous n'avez pas comme ici une Dynamica 3535, vous retrouverez en général ces icônes sur votre modèle de Longhi. Maintenant, vous avez deux manières de vous faire couler un café. Primo, je veux par exemple me faire couler un café allongé, je peux directement appuyer sur l'icône café et le café sera servi par défaut. Alors en général, c'est 3 grains d'intensité avec une quantité d'eau prédéfinie. Deuxio, je personnalise mon café. Alors comment faire? Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est décider au préalable d'appuyer sur les grains pour choisir l'intensité de mon café, plus la touche du café que l'on souhaite. Et ensuite, je viens régler manuellement la quantité d'eau en tasse. Soit j'ai assez d'eau et dans ce cas je ne suis pas obligé d'attendre que le versement se finisse, je réappuie sur la touche de la boisson choisie et le versement s'arrête, ou alors la touche stop, ou à l'inverse, je trouve mon espresso trop serré. Et bien alors là même que le café a fini de couler, je réappuie rapidement sur la touche de l'espresso pour allonger mon café. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire comment vous aimez votre café en deux Longhi. Plutôt court, plutôt long? Ces machines sont très bien conçues, vous apprendrez extrêmement rapidement à les utiliser. Ça va peut-être faire vieux jeu, mais je vous conseille fortement de lire le mode d'emploi pour exploiter pleinement les capacités de votre machine. On se retrouve très vite pour une vidéo sur la prépa d'un cappuccino avec cette petite buse là, juste ici. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Bientôt 1000 abonnés, vous êtes vraiment au top. Alors un grand merci et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir.